Bonjour à tous, aujourd'hui un petit hack Google qui justement va vous être montré parce qu'en fait il y a sur les fiches Google l'occasion d'avoir vraiment du trafic en y mettant des mots-clés directement dans le nom. Et moi depuis un an, Google il n'arrête pas de m'envoyer des mises à jour en disant attention, vous n'avez pas le bon nom de votre entreprise, le nom d'entreprise c'est ça et vous, vous y mettez ça. Donc en gros, régulièrement il me remet le nom qu'il pense être mon entreprise, à savoir Cyril Digital, mais moi je repasse derrière pour lui ajouter des mots-clés. Bonnie, how do you keep getting back in? En octobre, il y a 2-3 mois, je me suis dit, bon, on va essayer pour lui laisser l'occasion justement de laisser juste mon nom d'entreprise. Et je me suis dit, on va éviter de mettre des mots-clés pour voir la différence. Et bien la différence, je vais vous la montrer dans un petit tuto, c'est qu'en fait, on a eu nettement moins de trafic sur ce mois d'octobre et ce mois de novembre, sans doute dû au fait qu'il n'y avait pas des mots-clés. Donc je vous montre directement en live, je vais rechanger directement le nom de l'entreprise avec des mots-clés pour espérer d'avoir plus d'interactions après et plus de possibilités avec cette fiche et puis on regardera d'ici quelques semaines si c'était vraiment ça qui avait fait une baisse, mais il y a une baisse drastique, ça on en est sûr. Alors, vous le voyez, donc on reçoit des mails régulièrement par Google. Et là, comme vous le voyez, mon ancien nom de site Google, je fais un copier-coller et je vais voir ce que Google m'a proposé, puisqu'à un moment donné, il m'avait proposé de le renommer, comme vous voyez, juste Cyril Digital. Donc moi, Cyril Digital, c'est le nom d'entreprise, certes, mais je préfère y mettre des mots-clés. Donc d'abord, je vais valider le fait qu'ils me disent qu'il faut accepter cette nouvelle, ce nouveau nom, mais je reviens dedans et je vais lui remettre les noms des mots-clés, avec les mots-clés. Pourquoi ? Parce que tout simplement, toute la fiche doit être dense et explicite avec beaucoup de spécificités et de mots-clés. Et comme vous allez le voir dans les performances quand je clique ici, eh bien depuis septembre, Google m'a dit il faut remettre juste ton nom de marque. Et voyez, octobre et novembre, ça a été une catastrophe. Donc pour le coup, je me dis, octobre normalement, c'est pas un mauvais mois. On devrait au minimum faire aussi bien, voire... peut-être mieux même que le mois d'août et en l'occurrence tout a baissé. Donc je vous rappelle qu'il faut que tout soit rempli, les fiches directement avec les prestations, les produits quand on est e-commerçant bien entendu, et espérer aussi animer en bas les publications directement. Dernièrement, les profils des réseaux sociaux ont été ajoutés, donc en tout cas ils étaient dans le passé mais on peut maintenant les ajouter à la main. Voilà, comme d'habitude, des petits hacks à découvrir sur Google, sur les réseaux sociaux, sur tout un ensemble d'éléments de la stratégie digitale qui sont indispensables. Je vous rappelle, je suis Cyril Thierry, je suis coach et formateur en stratégie digitale et en référencement. Et je vous dis, comme d'habitude, à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, bye!